Et bonjour tout le monde, c'est Rémi, et aujourd'hui, après l'achat de ce Sony HX60, eh bien, on va faire quelques petits tests vidéo et peut-être audio, mais je pense pas trop que je vais m'attarder sur l'audio, hein, c'est du stéréo. Hein. Et donc on va faire quelques petits tests vidéo, voir un petit peu au niveau des lumières, des compensations de lumière, de la mise au point, des zooms, etc. C'est parti, hop là. Alors on va commencer avec quoi? Eh bien on va commencer par vous, pardon, hop là. Je vais... Ah, excusez-moi, ça bouge beaucoup. Ah. Alors, on va essayer de choper mon frère, qui est donc tout là-bas sur la terrasse. Attention, zoom en action. C'est parti, je vais essayer de vous faire le zoom optique 30x. Juste ça. Oh. Voilà, je dois y être, à peu près. Donc voilà, pardon, voilà le zoom 30x en optique. Vous voyez que le stabilisateur essaye de compenser mes mouvements de tremblage et de mouvements naturels du corps humain, en fait. C'est très très chaud. On va remonter sur le doigt plus haut encore. Merde, d'où est-ce que c'est? Ça, c'est le soleil, pardon. Mais merde, ah oui, c'est vrai, on n'a plus. Je vais essayer de choper la petite tuile, là. Voilà, là, je suis en butée de zoom. Bah, c'est pas mal. On est à la à quelle distance on est de cette tuile? Alors je dirais qu'on est à... Alors je suis pas, j'ai pas le compas dans l'œil. Je ne sais pas du tout. Je dirais à la louche peut-être un bon 50 mètres. Je dirais. Voilà. Hop là, pardon. On est à un bon 50 mètres de cette de ce truc. Voilà. Ça vous va comme ça? On va faire un petit plan comme ça, c'est bien. On va retourner là-bas. Là, sur... Pardon. Je vais replier les pieds du trépied. Voilà, donc maintenant, on peut y aller. Parce que je butais dans les pieds du trépied. C'est magnifique. Ça fait bien un petit plan large comme ça. Je tiens le trépied à la main en mode j'ai froid en main. Et en plus, le métal du trépied est froid, donc ça fait encore plus mal. Ça fait mal aux mains, donc. Voilà. C'est un peu long, hein. Je marche doucement. Je suis déjà vieux pépé, dit. Ah, Dios. Hop là. Alors voilà, chez notre ami le garagiste. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc scientifique, les gens. C'est que quand vous mettez une très forte pression en détente dans de l'eau, ben ça fait de la condensation. Lol. Regardez ça. Vous mettez, j'ai un peu d'eau, là. Vous le mettez comme ça, dedans. Et là... Tu vois la fumée? On la voit pas. Je vous assure qu'il y a la fumée. Bon. Arrête. Et ça fait le jacuzzi. Il est con. Hop. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que... Hop là, je vais rentrer dans un endroit plus sombre. Notre garage. Vous avez déjà eu l'occasion, il me semble, de voir à quoi ça ressemblait. On s'en fout, hein, mais c'est juste pour voir les tests de lumière. Donc là, on est en luminosité assez basse par rapport à l'extérieur. Alors, j'ai pas de retour, mais je pense qu'il a fait la compensation de lumière, donc vous devez me voir. Je vous propose quoi encore d'autre? En basse luminosité, on va essayer d'aller choper un truc au zoom. On va se mettre où? Oula, oui, c'est sombre. On va se mettre là-bas et choper de l'autre côté. Parce que niveau lumière, c'est pas ça. Voilà. Donc on y va. Pam, pam, pam. Je me mets juste ici. Là. Hop. Voilà. Je viens de prendre la place. Et maintenant, on va essayer d'aller choper là-bas en zoom. Hop, c'est parti. Alors, on entend le moteur du zoom. C'est tout à fait normal. Hein. On va essayer de choper le bidon. Voilà. Hop. On va essayer de choper le bidon de lave-glace là-bas. Avec l'étiquette verte. Alors, il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc du coup, on ne voit pas ce qui est écrit dessus. Mais on arrive à la choper. Il me fait la mise au point là-dessus, je crois. C'est pas bien. Je vais verrouiller l'autofocus là. Et là. What the... Il a fait... Bon, il a fait une connerie. Parce qu'en fait, je peux verrouiller l'autofocus sur un objet.
Bon bref, voilà, je suis en train de dézoomer tout doucement, voici la fenêtre. Alors, je vais faire cette petite scène, je vais faire très court, puisque sinon ça va peser lourd. Je viens de passer en 50 images secondes, 1080p, mais en 24 mégas. Donc c'est-à-dire que là, je suis au maximum de ce que peut faire cet appareil photo. Donc voilà, ça... Donc là, on est en 24 mégas. À mon avis, ça ne change pas grand-chose. C'est juste au niveau du débit, etc. Contre-jour, c'est magnifique. Contre-jour, toujours. Moins contre-jour, je pense. Et on revient à notre position initiale. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Hein. On ne va pas faire plus long. C'était Rémi. Merci à tous de l'avoir suivi. On va refaire un petit tour dehors. Et puis, après, on va rentrer. Et puis, on va aller monter ça bah, tout doucement. On va pas trop se faire chier. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien comme programme. Moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Parce... Riverain de ce charmant village. Oui. Ça me pique. Ça me pique. Bref, allez, merci à tous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur la voie publique. Je vais te pourrir ta fin de vidéo si tu dégages pas de là. Je vais lui pourrir sa putain de fin de vidéo de mes couilles. Alors moi je fais cette vidéo, on est samedi 27 février, lundi 29 février je dois aller à un autre lycée. Je dois pas aller à mon lycée, enfin si, et après je dois partir dans un autre lycée. Bah t'as mis ta blague. Et toi t'arrêtes pas un parage, t'avais parlé. Le lycée Blaise Pascal de Saint-Omer, pour ceux qui connaissent, voilà. Petite dédicace. Casse à eux d'ailleurs au passage, et je vais peut-être, je dis bien peut-être, faire un vlog du coup pour cette journée, puisque au midi on a liberté d'aller bouffer où on veut, etc. Ah oui, avec mon appareil, et j'ai le vent en pleine face, c'est magnifique. Et voilà, je vais peut-être faire un petit vlog. Il faut que je réfléchisse. Je vais peut-être sortir le vlog sur cette... Si je l'ai fait, je vais le sortir. Si je l'ai pas fait, je vais pas le sortir, c'est tout. Bref, au revoir. Maintenant, ce que je vous propose... Arrête, s'il te plaît. Hey. Arrête, on n'entend plus rien. Au coin du mur. Ici, je vais essayer de choper le coin du mur du garage qui est de l'autre côté. Très beau garage, n'est-ce pas? En piété de bordel, donc en fait, il n'y a jamais eu de bagnole dedans. Alors, on va essayer de choper l'autre coin du mur, de l'autre bout du garage qui est là-bas. Non, on va décaler parce qu'il y a la lumière, je viens de me rendre compte. Voilà, on va essayer de... Je vais changer d'endroit. Je vais plutôt me mettre